Adriana Carambeu et Marc Lavoine en relation libre. Le chanteur en dévoile un peu plus sur leur couple. C'est en septembre dernier que Marc Lavoine et Adriana Carambeu ont officialisé leur couple. Depuis, les deux tourtereaux vivent un quotidien apaisé et le chanteur n'hésite pas à se confier plus longuement au sujet de sa relation amoureuse avec l'ancien top modèle. En effet, ce dimanche 27 octobre dans le podcast Pops Play, l'artiste s'est confié en toute franchise sur sa vie amoureuse. Aujourd'hui, par exemple, puisque je suis avec Adriana Carambeu et que ça se passe bien, cette célébrité a beaucoup moins d'impact sur moi. Commence-t-il par indiquer. C'est-à-dire que, comme vous nous voyez en photo, on n'a jamais posé pour des photos, on a toujours été pris par des gens. On est comme ça. On est comme ça quand on se promène dans la rue et on s'en fout, elle est libre et moi je suis libre aussi. Marc Lavoine fou amoureux d'Adriana Carambeu. Très à l'aise avec la notoriété, les deux tourtereaux affichent leur couple au grand jour. L'autre jour, il y a un type sur une bouche de métro qui me dit « Putain, t'es fort quoi, si est-il génial ce qu'il t'arrive ?» Les gens sont heureux de ce qu'il m'arrive, et moi je suis heureux de ce qu'il m'arrive. Une façon de bien vivre sa célébrité mais aussi les regards qui peuvent être posés sur son couple. Très amoureux. Marc Lavoine est aujourd'hui épanoui avec l'ancienne comparse de Michel Simès. D'ailleurs il y a quelques jours, il n'a pas hésité à peindre un portrait très aimant de sa moitié sur RFM. C'est la première fois que je me retrouve avec quelqu'un de connu, confie le chanteur. Elle est magnifique, elle est vraiment très belle, elle est très drôle, elle est brillante, elle est intelligente. Elle a une profondeur inouïe, elle met les mots les uns après les autres, elle les habille de beauté, je deviens fou. Vous l'aurez compris, Marc Lavoine est un homme heureux et surtout très amoureux. L'ex de Line Papin ainsi retrouver l'amour dans les bras de la belle Adriana, qui peut aujourd'hui être pleinement épanouie.